Bomalibala, c'est un arrêt de bus qui marque l'intersection entre deux grands quartiers périphériques de Kinshasa, Bumba et Lukunga, dans la commune de Ngaliema. Coup de projecteur, dans ce coin de la capitale de la RDC, les habitants ne savent pas répondre aux besoins primaires car dépourvus d'eau, d'électricité et même d'infrastructures routières. Boma Libala, entendez, divorcé. Ce nom suscite la curiosité de plusieurs à cet endroit. Nous sommes à l'intersection entre le quartier Bumba et Lukunga dans la commune de Ngaliema. L'appellation de cet arrêt de bus n'a rien à voir avec l'imprécation d'un lieu qui brise les cœurs. C'est plutôt tiré d'un type d'arbre planté par les premiers occupants du quartier. C'est là qu'il y a Papa Moko. Il y avait un vieux papa qui avait dans sa parcelle un arbre qu'on appelait Bomalibala. Alors cet arbre dégageait une odeur de parfum lorsqu'il pleuvait. C'est ce qui justifie l'origine de cet arrêt des bus. Dans ce quartier périphérique de la capitale de la République démocratique du Congo, les habitants sont confrontés à plusieurs difficultés. Aucune goutte d'eau ne coule des robinets. Depuis plusieurs mois, il n'y a plus de robinet chez nous et aucune goutte d'eau ne jaillit par ici. En tout cas, il n'y a pas d'eau potable ici. Comme la route s'est dégradée, cela a provoqué le manque d'eau. Ils sont venus réhabiliter la route et durant les travaux, les engins ont endommagé les tuyaux d'eau. Par manque d'électricité, ce jeune garçon qui a séché les cours depuis près d'une année s'est adonné à une activité lucrative, la vente du bois de chauffage. Nous vendons ces branches d'arbres à 1000 francs. Ils proviennent des Mitendi, d'Elvaux et Cité Verte. Le charbon de bois est introuvable. C'est pour cela que le fabricant de chikwangs, les vendeuses de poissons, recourent aux morceaux de bois pour leur cuisine. Comme si cela ne suffisait pas. Il n'existe presque pas d'infrastructure routière dans ce quartier. Le calvaire des habitants commence à l'arrêt UPEN où des nids de poules ralentissent la circulation. Voyez vous-même l'état de la route, ce qui crée des embouteillages énormes, voire des accidents de circulation. Et certains mototaximens qui ne maîtrisent pas le code de la route se renversent avec leurs clients. Pourtant, c'est une artère qui devrait désengorger le quartier et servir des déviations de pompage à UPEN. Cette route est remplie de pierres d'ici jusqu'à Malweka. Ils ont lancé des travaux de canalisation d'eau de Sangamamba au quartier Bumba. Mais des Malweka à Verkis, rien ne fait. Ils ont lancé des travaux de réhabilitation sans pourtant l'achever. Ils oublient que la réhabilitation de cette voirie va réduire les embouteillages sur la route des Matadi. La réhabilitation de ces tronçons s'avère indispensable. Elle va faciliter l'accès au quartier Malweka jusqu'à Pompage, aux zones et Moudi, mais également jusqu'au centre-ville. L'espoir qui s'était installé au début des travaux s'est envolé. La population s'attend à une implication de l'État pour la réhabilitation de cette route.